c'est nouveau, bah, c'est rien que pour cette semaine en fait. Joyce a mis en place un défi, un challenge maquillage comme avait fait Cassandra il y a quelques temps. Et j'adore toujours faire des collabs avec mes super copines. Donc je suis contente de filmer cette vidéo. Donc là, le challenge, ça serait de se maquiller sans miroir. Donc ça tombe bien. Je n'ai pas prévu de miroir. Donc je n'ai pas du tout, du tout, du tout de miroir. Il va falloir que je vous maquillerai. En fait, je suis déjà maquillée hein, parce que j'ai déjà filmé plein de vidéos. Là, j'ai pré-filmé plein de vidéos. Aujourd'hui, je crois que j'en ai fait 3 là. 3, c'est mieux comme ça. J'ai fait 3 vidéos parce que une semaine où j'avais filmé et je la posterai que jeudi ou vendredi. Donc bon. C'est pas grave, là je vais vous poster ce challenge, samedi. Donc ce challenge, ce serait de faire sans miroir. Donc je vais me lancer. Donc je vais me démaquiller avec vous et après je vais faire le maquillage comme l'a dit Joyce. Donc je sais que sur ce challenge, il y aura aussi Cassandra. Et je ne sais plus, je sais pas, il y a peut-être Charlène aussi, mais j'en suis pas certaine. Donc bon, bah, c'est toujours un plaisir de faire des challenges avec vous. Donc voilà. Je vous laisse regarder la vidéo. Je me démaquille avec mon micellaire de Leader Price que j'aime énormément et que je trouve baisse à une vitesse. C'est un truc de malade. Ça devrait même pas exister. Donc voilà. Ne prenez pas peur de mes boutons, s'il vous plaît. Et puis à chaque fois que je me démaquille, ma peau elle devient toute rouge. Oh, on inquiète sur la vidéo. Oh là là. Et en plus, sur la caméra, c'est encore pire. Voilà, bon, là, c'est tout le fond de teint que j'ai mis ce matin. Oh, c'est pas beau à voir. Alors, on enlève les yeux. Je pense que je vais vous refaire le maquillage que j'ai fait ce matin. Putain, je suis rouge à chaque fois. Que j'ai fait ce matin. Et que je fais pratiquement quand je suis de repos et que je prends plaisir à me maquiller. Parce que quand je travaille, ben, en général, je fais quelque chose de très 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 simple. Je fais peur ou pas? Je crois oui. Heureusement que la coiffure est bien pour déshausser tout ça. Tadam! Voilà, je suis démaquillée, donc je vais pouvoir... je vais utiliser une crème. Donc ça va être celle-ci. Donc ça, c'est une crème que ma cousine avait offert pour Noël à ma mère. Et en fait, je l'ai adorée. Et en fait, je la prends de temps en temps. Donc je lui ramène de temps en temps parce qu'elle s'en sert aussi. Et je l'aime beaucoup, elle sent super bon. Donc celle-là, c'est au parfum de la rose. Et vraiment, elle hydrate super bien. Et en plus, elle hydrate super bien et elle sent super bon. Voilà, donc si Léa, tu passes par là. Oui, j'ai piqué un peu sa crème, tu m'en voudras pas? Donc voilà, non, voilà, je suis plutôt contente. Donc je vais me l'appliquer. Parce que j'ai une peau qui a besoin d'être hydratée. C'est pas simple de se maquiller sans miroir, dis donc. Ton thème a bien été choisi. Et plus j'applique un truc sur ma peau, plus je suis rouge. Peau de malade. Voilà. Donc je vais utiliser mon anti-cerne. Donc c'est celui-ci. Alors c'est le Dream Lumière Touche de chez Maybelline. Que j'aime beaucoup et comme vous pouvez le voir niveau de là il me reste que ça en fait et ça part à une vitesse et puis avec toutes les imperfections que j'ai sur ma peau ça part super vite donc vous tournez en fait comme ça et j'en applique. Oh mais c'est mignon, je suis comment hein? Ah je sais pas. Ah si j'arrive pas. Je peux même pas voir mes imperfections. On va remettre tous les deux déjà. C'est horrible. Ton thème a vraiment été bien choisi. Putain, c'est méga chaud. Bon. Je ressemble à un monstre comme ça, quand même. J'ai peur. Bon, l'anti-cerne est fait et on va taper. En fait, je crois que ça va être une catastrophe cette vidéo.
comme j'en ai pas mis correctement, en fait ça a pas couvert tous mes boutons. C'est pour les cernes aussi. Pour les cernes. Bon, on va le faire. Et donc pour le fond de teint en général, j'utilise la marque Essence. Donc il y a celui-ci que j'utilise, que j'ai testé il y a pas longtemps. Donc celui-là c'est un liquide comme ceci. Voilà. Je l'ai testé, il est plutôt pas mal. Il a une bonne couvrance que j'ai acheté il y a pas longtemps à Auchan. Stray Dale Days Long Lasting Makeup. C'est le soft beige. Moi je le trouve pas mal. Après, je reste une préférence sur celui-ci qui est en mousse. Je trouve qu'il a une meilleure couvrance parce que c'est en mousse, donc du coup ça masque, enfin ça n'a pas une meilleure couvrance, c'est qu'il masque un peu plus les boutons, mais il paraît une vitesse celui-ci que du coup j'ai celui-là en cas où. Et la dernière fois que je suis allée au champ, je n'ai pas retrouvé celui-ci, donc du coup. Donc je vais mettre mon, vous pouvez voir, il est déjà bien vide. Donc je les ai en fait, j'ai la masse qui sont enfin, dans le creux là. Donc bon. Voilà, j'ai posé le fond de teint, je sais pas ce que ça va donner. Donc sinon je vais utiliser une palette, c'est pas une palette extraordinaire, c'est surtout une palette qu'on m'avait donnée en cadeau. Donc ça va être celle-ci, donc c'est, ça s'appelle Gloss. J'ai trouvé sympa, c'était les deux couleurs que j'aime bien. Pour cette vidéo je vais pas utiliser mes pinceaux parce que il faut que je les lave, tout simplement. Donc voilà la palette. Et vous allez voir, ça va être cette couleur que je vais utiliser, et celle-ci. Donc on va commencer, je crois qu'en fait elle affiche pas la bonne couleur en vidéo. Donc je vais commencer par cette couleur-là. Là, celle-ci. Putain, c'est méga chaud. J'espère que je vais pas faire un truc trop moche non plus. Putain, c'est moche. C'est super moche. Le orange, là, juste ici. J'arrive, j'ai pas mes repères, c'est un truc de malade. Écoutez, ça va faire l'affaire, hein. Faut que je m'en souvienne. Je sais pas pourquoi je mange la tête. Voilà. J'espère que je me suis pas trop mis partout. Ah oh, si. Attends. Si. Bon. Donc voilà, là, le maquillage est à peu près fini. Comment vous trouvez que je me suis débrouillée sans miroir? Là, je crois que... non, là, ici. Là, je crois que j'en ai mis un peu partout. J'en ai en haut, j'en ai en bas. Voilà. Et en fait, ben, je vais pas maquiller mes sourcils parce que tout à l'heure, je les avais fait. Et en fait, bon, ben voilà. J'ai mes boutons qu'on voit toujours. Ouais.
Donc j'ai pas très bien couvert. Donc voilà, le défi est fini. J'espère que ça vous plaira. Je suis en train de penser, elle m'a dit sans miroir, mais est-ce qu'elle a marqué sans... je sais pas si elle a marqué sans retour caméra. Et du coup, je me suis un peu aidée avec le retour caméra. Donc j'espère que ben, ça sera bon. Je suis encore dans le style, je respecte pas du tout les règles des défis. Je suis désolée les filles. Donc j'espère que ça ira cette vidéo. À la prochaine et j'espère...